Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour aimer la vie, pour lui montrer à quel point elle est extraordinaire? Est-ce qu'il y a une petite action que vous pouvez faire? Aimer la vie, avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez. On est chanceux d'avoir un toit, d'avoir à manger. On est vraiment chanceux. Nos besoins de base sont répondus. Je pense que l'autre chose qu'on peut faire, c'est de vivre notre vie et de vivre nos rêves. C'est vraiment important. C'est l'autre chose qu'on peut faire. Je pense aussi que c'est important de contribuer autour de soi, avec les moyens qu'on a, avec nos habiletés, avec ce qui est en notre possession, avec nos talents. Je pense qu'on a aussi, pour remontrer à la vie comment on l'aime, on a aussi cette responsabilité peut-être, cet engagement envers la vie, de contribuer à la mesure de nos moyens actuels, parce que ça peut changer avec le temps. Parce que plus on contribue, plus on utilise nos talents, plus nos talents se raffinent, augmentent, plus on peut contribuer. C'est toujours, je pense, un réveil, un appel. Ces événements qui se produisent à travers le monde sont un moment pour reconnecter avec la beauté et la grandeur de la vie aussi en même temps. Tous les matins, j'ai ce rituel avant, lorsque je me réveille, où j'ai de la gratitude parce que je peux respirer, parce que je suis en vie. Puis pour moi, il y a toujours autant d'émotions. Prenez une inspiration tout de suite. C'est un bonheur de pouvoir le faire. Regardez autour de vous. Tout ce que vous avez, c'est extraordinaire.